La Marianne de mai 68, cette femme, que je crois qu'elle avait 20 ans à l'époque, est l'icône de mai 68 et qui a pu, elle a pu obtenir cet honneur, on peut dire, d'être nommée la Marianne 68. Elle s'appelle Miss Caroline, elle est avec nous. Bonsoir Miss Caroline, comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Excellent, excellent. Alors, Miss Caroline, comme mai 68 et cette photo que tout le monde se rappelle de ça, vous aviez quel âge? 28 ans. 27 ans. 28. 28. Ah, c'est excellent. Alors, tout d'un coup, c'était arrivé ou vous l'aviez programmé ça avec vos amis? Programmer comment? La photo? La photo, la prise de la photo Ah et... non, elle n'était pas prise, programmée du tout. C'était complètement spontané. Mais c'est pris par les médias et vous êtes devenue la Marianne de mai 68. Oui. Et de temps en temps aussi, c'était par où cette photo, même 20 ans après mai 68, même le Parisien, par image, ils ont fait des articles, encore, votre photo va être... présenté, même actuellement, dès qu'on tape sur l'internet la Marianne mai 68, on vous voit. Alors, c'est qui cette Marianne mai 68, Miss Caroline, c'est qui? Dites-nous, qui êtes-vous, Miss Caroline? Je suis Marianne anglaise. En plus, vous êtes d'origine britannique. Oui. Ah oui. Comment ça se fait? Vous aussi, vous étiez comme ça ici par hasard à l'époque où vous étiez étudiante ou travaillez ici? Donc, j'étais mannequin. J'étais mannequin. Et je revenais des États-Unis où j'ai travaillé comme mannequin. Et je suis revenue à Paris pour un travail. Et j'ai tourné trois films à l'époque, juste avant mai 68, avec un jeune homme qui était ami de Cohn Bendit et qui était à l'université de Nanterre, mais il est parti parce qu'il n'était pas content de comment ça se passait. Et il trouvait qu'il fallait faire une révolution. Alors, on a fait un film qui s'appelle Détruisez-vous, qui venait de ce slogan Détruisez-vous, aidez-nous, détruisez-vous. Et il s'agissait de parler de la révolution qui ne se faisait pas. Et c'est sorti en avril 68. Et un mois plus tard, j'étais sur les barricades. Excellent. Voilà. Quand même, vous étiez avec l'équipe de Daniel Cohn-Bendit. Vous le connaissiez? Non, non, moi je ne le connaissais pas. Bon, la personne qui a fait le film le connaissait, mais moi j'étais surtout avec des artistes, des cinéastes, des musiciens. Ce monde-là. Et on avait décidé d'aller à la manif. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et également, vous avez fait un autre film dans les années 60 qui avait le même nom que notre radio, Ici et maintenant. Ouais, ça faisait partie des trois films de Serge Barre. Oui, ça s'appelait Ici et maintenant. Barre était votre mari aussi? Non, non, pas du tout, Non? non, non, c'était un ami. Ah, d'accord. Il voulait faire des films et il y avait une jeune femme qui s'appelait Sylvina Boissonnas, qui était d'une famille fortunée et qu'elle voulait faire quelque chose pour la Révolution. Alors, elle a financé plein de films
films underground, disons, et aussi Philippe Garrel, et donc, comme ça. Et elle a financé des films de Serge Barre, et puis Détruisez-vous, c'était le premier de cette série. Et après, il y a eu Fun and Games for Everyone, et après, il y a eu Ici et Maintenant. C'est un film un peu abstrait. La photo est très belle, c'est Henri Alcan qui a fait la photo. Oui, Caroline. Alors, vous étiez toujours restée révolutionnaire et une dame de gauche, Caroline, depuis mai 68 à ce jour. Comment? Est-ce que vous étiez toujours restée révolutionnaire et de gauche? Je suis de gauche, mais pas extrême gauche. Alors, mai 68, c'était extrême gauche? Je suis quand même plutôt de gauche, oui. Et actuellement, comme vous voyez, la révolution, la révolte depuis novembre 2018 à ces jours, que pensiez-vous? Que dites-vous, Caroline, la Marianne de mai 78? Cette révolte populaire, vous le voyez comment par rapport à ce qui est. Était passé il y a déjà 50 ans. Ouais, c'est très compliqué parce que moi je ne suis pas d'accord avec la violence quand même. Et évidemment, les gens ils ont des problèmes et c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de pauvreté. Mais je ne suis pas d'accord avec la violence. Mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'il y a autre chose à faire que de tout casser, quoi. C'est-à-dire, en mai 68, on n'a pas cassé? Oui. Ce n'était pas violent? Mais non, on pouvait casser. Les cassures, cette année et depuis l'année dernière, c'est énorme, alors, par rapport à... Mais ça n'a pas duré aussi longtemps que pour cette année-là, ouais. Mais bon, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je pense que les riches devraient quand même lâcher un peu quelque chose. Ils ne vont pas relâcher les riches, c'est ça. C'est trop inégal et c'est vraiment compliqué. Moi, je n'ai pas la solution. Vous avez dit les riches. Alors, ces riches-là, c'est-à-dire, c'est les banquiers plutôt qui tiennent la finance ou c'est le gouvernement qui doit passer des lois comment ça doit passer? Le gouvernement doit passer des lois. Je pense que les gens qui ont beaucoup d'argent devraient en lâcher un peu, quoi. Mais comment faire? Moi, je ne suis pas communiste, hein. Je ne suis pas d'extrême gauche. Mais il y a un middle path. Vous voyez, rester un peu au milieu et pas d'un extrême ou de l'autre. Ouais.